Bonjour. Alors nous voici encore au cœur de la bataille de Marioupol. Que dire de cette ville martyre, de ses habitants sacrifiés à des intérêts qui les dépassent complètement. La ville donc a été investie par les troupes séparatistes et russes. Mais il reste le bastion de l'usine métallurgique d'Azovstal. On a évoqué dans le journal, Moscou prétend que Marioupol est tombé. C'est pas tout à fait vrai. Il reste des combattants. Ce qui est tombé à Marioupol, ce sont les masques. Oui, la vraie capitale de l'Ukraine en guerre, ce n'est pas Kiev ou Lviv ou Donetsk, c'est Marioupol. Le port ingrat reconstruit par les soviets et de nouveau rasé. L'usine des métallos qui résiste en sous-sol. Les barres d'immeubles éventrées par les obus, mais où se terrent au moins 100 000 habitants. Le maire imposé par les Russes dit le double. Le maire élu en fuite dit le triple. Personne n'en sait rien. 3 autobus ont réussi à exfiltrer hier quelques dizaines de civils. Ils ont tenu 2 mois, ils sont brisés, c'est presque trop tard. Des prisonniers qui s'évadent à la veille d'être relâchés. Marioupol est la capitale des ruines. Hier, Vladimir Poutine a proclamé sa victoire. La ville est libérée, dit le Russe, qu'il a rayé de la carte. C'est bas les masques. Joe Biden a réagi. Il n'y a aucune preuve que Marioupol soit totalement perdu. Son déni est rageur. L'Amérique aussi bas les masques. Les combats doivent continuer dans les décombres d'Azovstal pour que la Maison-Blanche et le Kremlin continuent de se défier. Et Vladimir Poutine dit qu'il est prêt à attendre la reddition des derniers combattants. Alors, il ne veut pas aller les chercher à la fourchette à escargot dans ces labyrinthes de où ils sont barricadés, il ne veut pas les enterrer. Sans doute y a-t-il des combattants étrangers qu'il veut capturer vivants. Vladimir Poutine, tellement humilié par le naufrage de sa flotte, a donné une leçon de commandement dans un grand numéro de propagande par l'image. Le président a reçu son ministre de la Défense. La scène était surjouée comme d'habitude. Il a ordonné à Sergueï Shoigu de préserver la vie de ses hommes. Il ne faut pas pénétrer dans les catacombes et ramper sous terre, lui a-t-il dit. Bloquer toute la zone, que pas une mouche ne passe. Cette façon de décrire l'ennemi comme un ver de terre, en sous-humanité qui rampe, en mouche, on voit que Vladimir Poutine parle le stalinien couramment. Son discours tranche avec les appels à la reddition lancés par l'armée russe depuis 3 jours, qui promettent de traiter les combattants avec dignité. Là aussi, bas les masques. Et les assiégés ne s'y laissent pas prendre. La reine des mouches, pourrait-on dire, c'est le commandant second du régiment Azov. Via la messagerie Telegram, il en appelle aux pays civilisés. Il leur réclame des garanties de sécurité. Il dit qu'avec cela, ces hommes sont prêts à quitter l'usine, munis de leurs armes, pour sauver les gens qui leur ont été confiés. Avec le dernier carré des combattants, qui sont peut-être 2000, et on ne sait combien d'étrangers parmi eux, il y aurait 1 millier de civils, dont plusieurs centaines de blessés. Partout ailleurs, on parlerait de boucliers humains. Là encore, bas les masques. Et les dirigeants ukrainiens proposent aux Russes de se retrouver justement à Marioupol pour relancer les négociations. Alors, ils ont proposé une session spéciale de négociations. Elles sont au point mort. Cela indigne les médiateurs turcs. Ils reprochent aux Occidentaux de vouloir que la guerre dure et que la Russie s'affaiblisse. Charles Michel, le président du Conseil européen, était hier à Kiev pour jurer à Volodymyr Zelensky que l'Union européenne ferait le maximum pour que l'Ukraine gagne la guerre. Là encore, c'est bas les masques. D'autre part, la Chine encourage, entre guillemets, ces industries à se retirer des marchés occidentaux. et la Chine encourage ses entreprises à se retirer des marchés occidentaux. Sébastien Le Belgique. Petit à petit, la Chine est donc en train de retirer ses billes des pays occidentaux pour prévenir d'éventuelles sanctions américaines. Pékin refuse toujours de condamner la guerre en Ukraine et entretient de bonnes relations avec la Russie, lorgnant notamment sur ses hydrocarbures. Le numéro 1 chinois du gaz et du pétrole, Sinouk, est le premier à faire ses bagages et revendre ses actifs estimés rien qu'en Amérique du Nord à 15 milliards de dollars. David Levinger est spécialiste des marchés émergents. Pour beaucoup d'entreprises chinoises cotées à la bourse américaine, c'est la fin de la partie. Je pense qu'en raison du manque de confiance entre les États-Unis et le gouvernement chinois, la situation n'est pas prête de s'améliorer. Car la guerre en Ukraine a été le déclencheur d'une crise qui couvre déjà depuis 2020. À l'époque, Sinouk et une trentaine de sociétés chinoises ont été placées sur une liste noire par l'administration américaine pour leurs liens supposés avec l'armée populaire de Chine, avec le risque déjà de voir leurs actifs gelés aux États-Unis. Mais alors, une info qui détonne vraiment dans cette guerre d'Ukraine, où on croyait que toute l'Ukraine avait été complètement dévastée, à voir en tout cas nos écrans de télévision. Une info, un timbre a été créé. Un soldat ukrainien qui fait un doigt d'honneur à un navire russe. Image forte, celle d'un nouveau timbre commercialisé en Ukraine. Et le bateau n'est autre que le Moskva, fleuron de la marine russe, coulé la semaine dernière. Le symbole de la résistance ukrainienne, immortalisé donc sur un timbre. Une édition imprimée à plus d'1 million d'exemplaires et déjà collector. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial William Molinier dans les rues de Kiev. La file d'attente fait plusieurs centaines de mètres. Au bas mot, 1 millier de personnes nourrit l'espoir de se procurer ce nouveau timbre anti-russe devenu l'emblème de la victoire. Igor fait la queue depuis 7 h du matin. Une professeure des écoles très émue tient entre ses mains une trentaine d'exemplaires. C'est l'histoire qui est importante pour moi. Ce qu'on vit maintenant, c'est important. Je ressens de la fierté pour mon peuple. On se serre les coudes. Nos militaires défendent nos frontières et notre terre. C'est notre terre sainte et on y restera. Même si les Russes reviennent à Kiev, je suis prête à prendre des armes et à combattre. Dans ce petit bout de papier de quelques centimètres carrés, certains y voient un concentré de l'âme ukrainienne, si bien qu'il est déjà en rupture de stock et ne se vend plus qu'à la poste centrale de la capitale, place de l'Indépendance, tout un symbole. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ce petit récit vous a plu. À bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous et le pouce bleu, très important. Au revoir.